J'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on part à destination de Rodrigue. C'est la première fois que je fais ce voyage. Je suis hyper excitée, j'ai trop hâte. Même si là, je vous avoue, je suis claquée. Parce que je me suis réveillée ce matin à 8h. Il est actuellement 17h30. Je suis juste à Maurice en fait. Donc le voyage a été super long. Même si en vérité, Réunion Maurice, c'est que 30 minutes. Il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de monde à l'aéroport qu'il fallait être là en avance. Il y a eu beaucoup de temps d'attente et pas mal de temps d'attente aussi entre nos différents vols. Donc j'ai hâte d'être dans l'avion et surtout d'atterrir. Ça c'est le jeu qui va devenir à la mode dans quelques temps, vous allez voir. Tout le monde va vouloir se l'arracher, c'est sûr. My old friend. 5 heures d'escale. L'avion a été retardé et ben, il fait nuit quoi. Et il fait froid. On est à Paris ou quoi là? On est à Paris ou quoi là? Alors, ton voyage s'est bien passé? 21h18. On a vu dans l'avion une vue. Je vous montrerai les images. Bah non, parce qu'on voyait rien. On est arrivé à l'hôtel et waouh! C'est le manger! Des tongs! Bordeaux, c'est la Réunion, ça. Pour qui j'ai oublié mes sarrates. Ouais, bah voilà. On va en prendre là. Ah, c'est magnifique. Nous voici dans le buffet de l'hôtel. Et ouais, on a pas mal. On est arrivé direct au buffet. Bœuf, vermicelle, poulet. Il n'y a pas de choix de ouf, mais bon. Vous savez quoi? J'ai oublié mes savates. Mais non! Mais hasard de dingue! Il y en a plein sur le mur. Je pourrais me servir. Je sais pas s'il y a toutes les tailles. Ça me bien accroché. Genre limite, tu peux faire une escalade dessus. C'est pour toi. C'est fatigué. Et quelle heure? Il est tard, hein? Il est super tard. 23h et on vient d'arriver, on a mangé. On était à l'aéroport à 10h30 et on vient d'arriver à Rodrigue. Il est 23h. Une journée de voyage? C'est normal. Bonjour, hein. Bienvenue. Bonjour, hein. C'est la chambre, hein. Elle est stylée, hein. Bon, on voit pas la vue, mais je pense que demain matin... On verra ça demain. Bête de vue demain matin. Et que tu vas voyager avec un briquet dans ton sac. Arrête. Et que, à l'aéroport, je l'ai enlevé de mon sac et je l'ai mis dans ton sac à dos. Mais t'es une conne. Mais c'est passé, tu vois. C'est passé dans les deux aéroports. Mais ça se fait pas. En plus, tu m'as rien dit. Non, je t'ai rien dit. T'es vraiment une... Bip. Une chose. Nous allons prendre le petit déjeuner. Jour 1, on s'est réveillé il n'y a pas longtemps et vous avez vu tout à l'heure la vue, mais là elle est encore plus belle, je trouve, avec le soleil. This is l'hôtel Playmourouk avec la piscine à débordement juste là. En face de moi, les gars, c'est le paradise, ok? C'est dans ma tête, ce que j'imagine du paradis, bah c'est ça. On est au Cambodge ou quoi là? Non, pas du tout. C'est beau. This is Rodrigue Island.
is Rodrig Island. You have a good accent. Thank you so much. If you look upstairs behind before Duha and you, you see Island Cat. Ah, this is Iceland Cat? Yes. Cat Iceland? Coco Island. Okay. Maybe I trump, but I trompe. Ouais. Éléphant. Par contre, ça tape fort. Ouais, ça tape. Ben, j'avais dit à qui? Ah, c'était à mamie. C'est un peu plus au nord que la Réunion. Rodrigue et. Ben, on voit bien la différence. Pas beaucoup plus, mais on sent qu'il fait chaud là. Il faut mettre de la crème parce que sinon, nous, ça fait pareil. Est-ce qu'on peut dire dans le vlog? Sinon, nous, ça fait pareil, bonnes oreilles. Sur la plage Saint-Gilles, ils mettent pas la crème. Après, ils reçoivent pareil un gros crabe. Voilà. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Je pose ça là. Ouais, c'est marrant. Voilà, on va aller prendre le petit-déj. C'est bon, mais là, à 9h, je vous emmène avec moi dans le buffet froid. Julimont, du fromage. C'est normal. Et des fruits. Je sais pas si hier soir, quand on est arrivé, on avait bien vu la chambre, mais du coup, je vous la remontre. Hop, petite salle de bain. Franchement, rien de foufou, mais elle est top. Des toilettes. Petit rangement ici. Ça, les rangements, franchement, c'est la base. Une petite banquette pour pouvoir se poser. Et la déco. Franchement, c'est trop sympa, j'aime trop. C'est minimaliste et en même temps, bah, coloré. Enfin, franchement, je sais pas comment. Ce type de déco, je vais pas faire la meuf. Feng Shui, j'y connais rien du tout, mais c'est super beau. C'est magnifique. Et en plus, nous, on a une vue directement sur la mer. C'est Frenchman. C'est pas dégueu, quoi. Voilà, donc. Aujourd'hui, on va profiter un petit peu de l'hôtel, se détendre, se reposer tranquillement. Et puis là, ben, on va aller à la piscine. Tu peux avoir une vidéo de moi, jolie piscine et tout là? Oui, vas-y. Parce qu'à chaque fois, je suis un peu cassoslande plutôt que influenceuse comme ça, tu vois. Allez, bah fais ta gale. Je fais ma gale. On est pas bien là? Là, on est bien! On est bien! Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Dites avec moi, waouh, s'il vous plaît! Waouh! Ça, c'est le sourire. Je vais pas dire j'adore parce qu'on n'adore que Dieu, mais j'aime bien. Quelle grâce! Fais attention, t'as pas de casque. Oh, mon petit bébé, avec son scoot. Elle a peur, Michel. Donc, elle a pas de casque, elle me saoule. Oulala, oulala. Oulala, oulala, oulala. Oh, mon Dieu. De janvier en décembre, nous monte, nous descend. L'arc nous raté à l'art, nous monte, nous descend. En moto, en booster, nous monte, nous descend. C'est guest derrière, qui l'arc nous descend. De janvier en décembre, nous monte, nous descend. L'arc nous raté à l'art, nous monte, nous descend. En moto, en tuning, nous monte, nous descend. Les flics m'aillent pas. C'est la même. Pousse fort. Un petit débrief de ce tour en moto. Écoute, ça a duré 1 minute 30, même pas 40 secondes, non? Ça va, c'était un petit peu stressant, mais comme c'est passé vite. Oui, ça allait. Ouais, ça allait tout seul. Moi, j'avoue, j'avais peur un peu, mais ça a été, c'est bon, t'as géré, hein. T'as géré. Donc là, on est au restaurant Tilapas. Tilapas, Tipas. Tilapas. Et on va manger. Un petit riz frites. C'est par ici. Crevettes, lait de coco. Bon, bon appétit. Hein. Et ben merci. On va goûter le riz frites. C'est bon. Bon, et toi? Toi. Je crois que c'était bien, mais.
par là où on a fait le chemin hier soir. Je regarde un petit peu ce que ça donne. On peut ? Comme ça, ça te... Ça t'initie. Ça t'initie. Nous en bas. En scooter. En booster. Ça vous casse celui-là. Music licensing reimagined. On va commencer à faire des petits. Voilà. Faudra que tu lâches le frein. Tu fais un petit à-coup, tu freines, tu fais un petit à-coup, tu freines. On va mettre avec une étape. Tu le fais pas fort, fais doucement. Reste droit, reste droit. Reste droit pour l'instant. Va là-bas. On bouge un peu, non? Non. De janvier en décembre, le monde nous descend. Dans la cour à Péala, le monde nous descend. En moto, en booster, le monde nous descend. C'est guest derrière, qui là nous descend. De janvier en décembre, le monde nous descend. Dans la cour à Péala, le monde nous descend. En moto, en tuning, le monde nous descend. Les flics my pas, nous descend. Bon, aujourd'hui, deux choses. La oui. Première, it's your birthday. Et la deuxième, eh ben, on va aller fêter ça sur l'île en face. Aujourd'hui, on va sur l'île au chat et l'île au coco. Non, non. L'île l'Ermitage. Aujourd'hui, on va sur l'île au chat et l'île à l'Ermitage. L'île à l'Ermitage. L'île Ermitage. L'île Ermitage, tout simplement. Pourquoi s'embêter ? Mais c'est cool. C'est cool. Jour 2. Il fait beau pour l'instant. Il fait super beau. Hier, du coup, j'ai pas filmé, mais la gueule, elle baise la pluie, moi. T'es dans... on voyait plus rien. En plus, on était en scout, mais on est rentré pile au bon moment. Ouais. Et en plus, c'était moi sur le scout quand il pleuvait. C'était très marrant. Du coup, on est contente. Aujourd'hui, il fait beau. Et là, on va aller prendre le petit déj. Bonjour. Bonjour. C'est où qu'on mène à nous sur l'île? Ouais. Bien par de Gonzague. Anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ma fiche comme ça là. 29 ans. Oh là là, j'ai mon premier garçon. Oui. Thank you.
C'est passé. Ah, la pression dans le dos. C'est pour ça qu'il faut boucher ton nez. Ouais, j'ai essayé. Et après j'ai stressé. Bon, je suis remonté. Bon, on est arrivé sur l'île aux chats après une petite balade en bateau depuis l'île principale de Rodrigue. On a dû prendre quoi, allez, à tout casser 30 minutes, mais on a fait un petit arrêt et on s'est baigné. Et c'était magnifique. Franchement, un lagon, waouh, rien à voir avec celui de la Réunion. Ici, déjà, il est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de faune et de flore. Il est moins abîmé que le lagon de la Réunion. Il est encore un peu en vie. Tu dis de la merde? Non, mais je t'entends pas trop. Hein. Mais... regarde. Quoi? Bah, il a pareil, regardez la tradition portugaise, comment ils font. Toi tu dis ça parce que t'es un capitaine. Et tous les baskets sont restés dedans. Bah oui. Bah oui. Je pensais qu'il allait rester là, non? Bah moi aussi. Je crois pas trop loin là, de toute façon je pense. On n'a pas pris les marches de tout, bah, de toute façon là. On n'est pas bien là. Petite planche, petite cacahuète. Santé. Santé à toi, ton anniversaire. À mon anniversaire. Bon. Mais bon, bon.
Bien. Voilà, maintenant que j'ai votre amitié, donnez-moi à manger. Alors, nous sommes sur l'île aux chats. Comme vous avez pu. Oh, Minou, oh, mon vol. Oh, bah, viens. Viens avec nous. C'est chez toi, de toute façon. Hein. Allez, allons. Donc, je disais, avant d'être interrompue par cette mignonnerie, que on va faire une petite rando, une petite marche. Dans la jungle Rodriguez, il fait chaud, il fait au moins, je sais pas combien, 50 degrés je pense. 40 degrés ressenti 50. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 3 pas et je suis déjà essoufflée. Mais par contre, on filme ou... Bah, il y a une attraction aussi, donc... Je fais les couilles de ce que je dis. Allez. Vous voulez voir les chats, bah, c'est bon. Allez, regardez les chats. Putain, mais elle est gros cœur cette fille, allez. Non, non. Mais continue, c'est j'ai fini. Je sais plus où j'en étais. De comme on peut le voir, tu es déjà en sueur. Les gens s'en tapent de ce que je raconte, ils veulent voir les chats. Montre-leur les chats. Ah, punaise. Mais ils sont... Non, bichou. Il me fuit partout. Ouais. Et t'as vu, il y a plein de coquillages comme ça. Regarde-moi tout ça. Oh, Minou. Tu vis pour les caméras, toi, hein. Non, il cherche de l'attention. Oh, bichou, ça me fait trop mal au cœur. T'as vraiment fini de parler? Ça y est, c'est... Ah. J'ai un ami et je vais pas pouvoir le ramener. Ouais. Regarde, il nous suit. Et ils doivent avoir méga chaud par contre. Hein. Bah, t'as vu déjà, ils tirent la langue. Ouais. Mais tu bois quoi en fait ici là? Faut leur donner de l'eau. Hein. Mais en fait, c'est horrible de pour être des chats d'habiter là. Bah, ouais. C'est une sorte de la fille de Rodrigo. Non? Je vais pas mettre dans le vlog parce que. C'est trop de la merde en fait. J'ai dit des choses, je sais pas. Après, quand je mets sur internet, je me dis, ah, mais pourquoi les gens? Ça, c'est le ponche, ça, qui me fait parler. C'est le ponche qui te fait parler comme ça, le ponche, le soleil. De toute façon, je vais couper. Alors, je sais pas si on entend sur la caméra, mais c'est les cigales. Obligé, on va piquer une tête. Je pense pas où elle mange tout ça ou tout seul peut-être. Non, il croit pas. On vient d'arriver sur l'île Hermitage. On a bien mangé sur l'île aux chats. C'était bien bon, poulet sarcive, poisson, salade papaye, tirom, gâteau patate, tirom tédos. Et là, on va faire une petite marche pour arriver au sommet de l'île Hermitage pour observer le lagon. Un petit mot, madame? T'as tout dit, c'est bon. C'est il bon, fait chaud, toujours. Il fait chaud, mais franchement, sur le bateau, tu sais, j'étais en train de me dire qu'on a de la chance d'être là et que c'est magnifique, l'île Rodrigue. C'est beau, c'est préservé encore des touristes en masse comme à Maurice. Ici, le lagon est encore préservé. Enfin, c'est beau, c'est la nature. Enfin, voilà quoi. Je pense que ça se passe de mots. Et c'est ouf, je suis trop contente d'être là. C'est le kiff total. Voilà, petite rando après le petit ponche là. Ouh, on a fait l'arrivée, on est à ça. Bad idea. Ah, c'est beau. Oh, le crossfit là, à la rentrée. Le retour à la salle, ça va piquer. Descend, c'était magnifique, on était tout en haut là, là-bas. Bon, on a monté combien de temps? 10 minutes? Même pas? 5 minutes? 5 minutes pour monter. 4 minutes pour descendre. Et maintenant, on va aller se baigner.
peut-être une bonne journée, les amis réunionnais. Très bien, yes, j'en ai merci. Gaillard. Et joyeux anniversaire encore. Joyeux anniversaire, Audrey. T'as parlé là. Ouais. Parce que l'autre, t'as vu comment elle a envoyé bouler Sylvie? Non. En fait, elle a dit, elle était au téléphone. Les deux étaient au téléphone et Sylvie est arrivée. Elle a dit oui, vous avez pas un antiseptique? Et celle à qui elle s'est savon, elle a dit oui. Savon. Ouais, je sais pas quoi, elle a dit ouais, savon. Et Sylvie Mourel, elle fait bah, on peut en passer quoi, tu vois? Et après, l'autre a dit oui, c'est pourquoi et tout. Et elle a montré son beau, elle fait ah, bah, tout de suite, elle est ouais, cherchée derrière et tout. Tu vois, elle est pro. Alors que l'autre, bah, elle en bat les couilles. Quoi. Bon. Après ce petit commérage. Ah oui, petit open filmé donc. Et ben, on va faire un petit tour au marché de Port-Mathurin là. Donc on va prendre le scout et voilà, ce sera l'aventure. Oui, alors tous les Rodriguez ont dit il faut absolument faire ce marché, c'est génial. Donc ben, on va voir, on va découvrir. Let's go! Voilà, après 35 minutes, bah allez, on va dire une trentaine de minutes parce qu'on était en scooter et qu'on était prudente, on est arrivé à Port-Mathurin et bah ici, il y a de la vie, hein. Ça vit, ça vit. On vous montre ça tout de suite. On est arrivé à Gravier, regardez-moi ça. C'est magnifique, Marine m'a déposé en scout parce que elle avait peur de se péter la gueule avec moi, c'est mignon en vrai. On s'est perdu en sortant de Port-Mathurin évidemment parce qu'on n'a pas de réseau et on connaît pas, donc forcément on teste des trucs et parfois quand tu testes des trucs ça marche et parfois ben, ça marche pas. Donc on s'est perdu et là on sait pas trop où on est. Enfin si, on sait qu'on est à Gravier, on cherche un resto. Moi j'avais vu un resto qui avait l'air super bon, qui faisait des langoustes grillées. En vrai, même un petit sandwich là, il passe ou pas, parce que là, à Bonne-Train, il fait 50 degrés, 40 degrés ressenti 50. Et faut manger quoi. Voilà. Allez, on va essayer de chercher un resto. À mon avis, il n'y a pas de resto là où on est. Par contre, c'est magnifique. Ah, mais j'ai des potes aussi. Je suis pas toute seule. Il y a personne.
Genre là, on serait allé dans un endroit un peu, tu sais, qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, Maldives, Bora Bora, ce genre de trucs. Bon, clairement, j'ai pas le budget pour aller là-bas, mais c'est un exemple pour dire que ça serait blindé de monde, quoi. Et là, il y a personne et c'est paradisiaque. Enfin, excusez-moi. On a enfin trouvé un resto. On a pas mal galéré aujourd'hui à trouver notre chemin. C'était un peu chiant et je sens que on va attendre longtemps nos plats. Voilà, ça fait déjà un bon 20 minutes qu'on est là et il y a des gens qui étaient là avant nous qui sont toujours pas servis. Et c'était hier, avant-hier, je sais plus, quand on est allé au resto et qu'on a attendu super longtemps aussi. Voilà, bah, petit lent, petit lent, petit parti pas quoi. Non, il fait chaud, on est plus lent, ça peut être ça. Ça y est, on a eu nos plats. Est-ce que c'est bon? Bon appétit. Bon, vous connaissez DJ sans transition, c'est moi. On est sorti du resto, on a repris la moto. Et là, ça y est, on est au départ de la petite marche à Gravier. Et on va rejoindre Saint-François, c'est ça? Et voilà, bah c'est parti. On est accompagné. On a un chien de garde avec nous. Donc, stop. J'ai le casque avec moi. Un peu relou, mais bon, pas le choix. C'est ça quoi, on est au scooter. Il fait toujours 40 degrés, ressenti 50. J'espère que je vais pas m'évanouir. Normalement, avec ce que j'ai mangé, ça devrait aller. Regarde où tu marches quand même. Et je regarde où je marche parce qu'il y a plein de geeks. On se retrouve tout à l'heure quand il y aura un point de vue intéressant. This is amazing. D'argent, petite crique, on va descendre. J'attends la Nice, elle est par l'horizon pour l'instant. Aujourd'hui, on va partir pour l'île Coco. Donc on attend notre bateau arriver. Oui, bon, ça va, on se met devant. Prenez bien la fille. Hein? C'est quasi, prenez bien la fille. Le banane est pas bien. Ça va, moi. Moi non plus. Ils peuvent rester en mer un mois, deux mois, trois mois, ils pêchent, ils dorment sur la mer. Oui, et si vous regardez les oiseaux ont les pattes palmées, ils arrivent à poser sur l'eau. Ils dorment sur la mer, comme des canards sur l'eau. Et les oiseaux, ils ont un système dans leur narine pour dessaler l'eau. Ils boivent l'eau de la mer. Il y a toujours un excès de sel à côté du narine. Les tiquitis. Les tiquitis.
c'était bien cette petite visite? C'était bien, mais j'étais stressée parce que j'étais bien moi. Les oiseaux, ça me faisait pas peur, mais quand elle a dit il y a des tiques, là on m'a perdu. En plus, ils commencent à monter sur moi. Ça me stresse. Mais sinon, c'est très beau. Paradisiaque. Comparé aux autres îles qu'on a fait, il y a beaucoup de monde dans les airs et sur terre. Merci pour cette intervention.